عيد النبي وفرح نبيه يا الصلاة عليه يا عاشقين رسول الله الصلاة عبدك مقيم
مولانا يا مولانا يا الله يا مولانا. Justement, on va revenir à Monsieur Khoudia. Prenez votre micro, s'il vous plaît. Donc voilà, alors il dit que vous avez fait un très bon choix, il est très content de votre choix. Il était même en train de chanter avec vous lorsque vous étiez en train de chanter tout à l'heure. Oui, alors bonsoir à vous, merci bonsoir d'avoir... Bonsoir à vous, merci de m'avoir invité. D'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je voulais juste rebondir enfin, sur ce que disait Monsieur, en fait, oui. Pour préserver justement pas mal de Nouba qui étaient destinés à... En fait, qui n'avaient pas vraiment... Enfin, pour préserver de l'oubli certains corpus de la Nouba, arabo-andalouse, même au début du siècle, du XXe siècle, les moustilles, les chers de Zawiya, pour préserver de l'oubli certains morceaux, eh bien, ils remplaçaient donc le profain par le sacré, en fait. Oui. Voilà. Et donc, c'est ce qui a permis à beaucoup de morceaux de Sana'a, hein, de résister justement à la colonisation, parce qu'en fait, le patrimoine, surtout notamment la musique, parce qu'en fait, Platon, quand il disait, donc, si vous voulez coloniser un pays, commencez par supprimer sa musique, il n'a pas cité autre chose que la musique, parce qu'en fait, la musique... C'est un moyen identitaire. C'est en effet, et c'est un indice de bonne santé d'un pays. Dis-moi ce que vous écoutez dans votre pays, je vous dirai qui vous êtes et si vous êtes en bonne santé. En fait, je voulais juste rebondir sur ce que disaient vos invités, parce qu'en fait, moi, je suis issu donc, de l'école andalouse et je suis un enfant de Blida, en fait. Donc, Blida est aussi héritière d'une longue tradition arabo-andalouse. Mm-hmm. Et quand c'est madame et messieurs donc, parlaient justement de la tradition de Mouloud à Coléa ou à Miliana ou à Cherchel, Blida n'est pas en reste. En fait, l'Amnara aussi existe à Blida. Oui. Et donc, et on l'a préparé. Oui. Et dans chaque famille racée de Blida, ben, on avait donc soit une étoile, soit un bateau en fer forgé qu'on décorait avec des bandelettes de papier très coloré. En fait, ce sont les enfants qui, une semaine avant la célébration de Mouloud, ce sont les enfants qui préparaient et qu'on accrochait Fesshin. Voilà, une semaine, et puis qu'on laissait aussi une autre semaine après Mouloud. Bon, tout à l'heure, disait mon ami Iman Sahid parlait de Rishta. Hna Ablida, bon, comme disait madame, nous, hna c'est le Ftaïr. Ftaïr, c'est vrai. On l'appelle Ablida Ftaïr. C'est donc des feuilles de briques donc, qu'on préparait sur le Mri, Ta'anhas. D'accord. Plus Kanouchouya, Kemerolou, Bakri, Pepil. C'était donc très, 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 très légère. Et puis aussi, qu'on agrémentait donc, de navets et aussi donc, de pois chiches. Et puis aussi d'une sauce blanche. Et puis pour égayer la soirée, donc, et puis aussi l'adoucir, donc on préparait aussi donc, du barrer avec un délicieux, bien sûr,
sirop que pour, aussi pour terminer, pour l'enlever qu'on met avec quelque chose de sucré. Et puis le lendemain, voilà. On a ce qui restait donc de tailleur, on le préparait aussi avec un sirop. Et puis sans aussi oublier avec ton ménage pour le petit avec déjeuner. Des raisins secs et puis aussi des fruits secs. Voilà ce que je voulais juste apporter à votre. Merci beaucoup, monsieur Khodja. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, bah, c'est complémentaire finalement. Voilà, c'est complémentaire. Alors merci beaucoup, monsieur Khodja, pour tous ces détails que vous nous avez apportés sur la région, sur une autre facette de l'Algérie, donc notamment la région de Blida. Donc on voit que même si c'est tout proche d'Alger, c'est dans l'Algérois, mais ça reste quand même. Ouais, il y a quand même des différences dans la façon de célébrer le Mouloud. Donc là, on ne va pas se lasser de vos choix et on va encore une fois vous inviter à nous interpréter un autre madih. Mais c'est avec un énorme plaisir. Merci beaucoup. Allez, c'est à vous. C'est moi qui vous remercie. زيد النبي وفرح نبي الصلاة عليه يا عاشقين نزم الجاسس واللي نراح صلوا على المختار من الملاح قوم يا نادم قوم دير الكيوس استيقظ من النوم جلس الجلوس زول علينا النوم ذهب النفوس بعد ما قطعت الياس والسرباح ندمت جاسات واللي نراه صلوا على المختار من الملاح زاهو العشق في سيد البشار قلبي ملا عليه ميل وصبار فمحبته خليه يفني العمار من خلقة الوسواس قلبي ارتاح لجنت وجاع الساس والليل مراح صلوا على المختار قيم الملاح عشقي من هوى بدر البدور صبحا من بها عليك المنور وعطى قوة الصدور فيه زهات الناس قطب الفلاح ندم دجاع الساس والليل راح صلي على المختار يم الملاح بالصلاة على محمد نبتدي هذا النظام نبتدي هذا النظام والرضا دايم وأنفد على الصحابة أهل الكرام على الصحابة أهل الكرام أبو بكر ثم المجد وعثمان وعلي الإمام وعثمان وعلي الإمام أذكرهم يحجي غارب أذكرهم يبكي غيار سادتي أهل الشرف الله الله
اقصد الهادي المبارك نبينا عين الشرف اللهم هي حبيبي يا محمد صلوات الله عليك صلوات الله عليك يا سيدي الممجد اسعد الاسلام بيك اسعد الاسلام بيك في ضلوعه نبتوقت والعقل طير إليك والعقل طير إليك فزمن أتى وزارة فزمن أتى وزارة ومثل ذكر الله الله صعد الهادي المبارك نبينا عين الشرف الله الله زيد النبي وفرح نبي الصلاة عليه قدوم الحبيب تمام السرور وكأس المحبة لنا يدور قدوم الحبيب تمام السرور وكأس المحبة علينا يدور سهلا في من زارنا أمير الملاح وبدر البدور وأهلا وسهلا بمن زارنا أمير الملاح وبدر قسم الله لي وفوضت أمري إلى خالقي رضيت بما قسم الله لي وفوضت أمري إلى خالقي اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد عليه السلام
عيد النبي وفرح نبيه في الصلاة عليه يا عاشقين رسول الله الصلاة عليه